Je te propose d'aborder aujourd'hui la fécondité féminine et le cycle menstruel. Si chez l'homme, la production d'hormones est relativement constante au cours de sa vie, chez la femme, c'est pour le moins différent. Ainsi, tu pourras enfin comprendre pourquoi cela t'affecte beaucoup ou que tu constates des modifications d'humeur chez les femmes de ton entourage. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Je te parle ici de la sexualité, du couple, des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie et ainsi les éviter ou les résoudre. Tu peux t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines publications et mieux encore, t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque vendredi le complément indispensable à l'article de fond de la semaine. L'objectif de cette vidéo n'est pas tant de t'expliquer en détail le fonctionnement du cycle menstruel, je vais plutôt insister sur les à côté, les non-dits, le tabou lié aux règles et t'aider à comprendre l'importance de connaître les conséquences du cycle et comment ainsi mieux interagir avec toi-même ou avec les femmes. Comme chez presque tous les organismes vivants, chez les humains, une période de maturité est nécessaire. Pendant celle-ci, les organes génitaux des humains vont terminer leur mise en place et leur maturation. On peut penser que la reproduction nécessite tellement d'énergie que le corps n'a pas la capacité de grandir tout en étant potentiellement reproducteur. Notre évolution a donc retardé la fonction de reproduction pour laisser le temps aux autres parties du corps de grandir sans trop de stress énergétique. Et donc, c'est vers l'âge de 12 à 14 ans en moyenne que survient le réveil hormonal chez la femme qui va déclencher ses premières règles. Il est à noter que la femme naît avec environ un stock d'un million d'ovules. Cependant, certains d'entre eux dégénèrent et l'on n'en retrouve qu'environ 300 000 à la puberté. Arrivée à la ménopause, la femme n'aura plus que 300 ovules qui finiront par dégénérer jusqu'à la fin de sa vie. À ce jour, la médecine ne sait pas trop comment ni pourquoi il y a tant d'ovules potentiels dans les ovaires. Car finalement, à raison d'un par mois sur une période de presque 40 ans, 500 pourraient suffire largement. Les médecins n'ont pas non plus déterminé pourquoi un ovule plutôt qu'un autre était élu pour être celui qui serait expulsé de l'ovaire vers les trompes. Pour beaucoup, les règles sont encore considérées comme sales et tabous. On évite d'en parler, et quand on en parle, c'est en utilisant des termes éloignés pour ne pas nommer l'indicible. Entre les Anglais qui débarquent, les ragnagnas, avoir ces trucs, sous-entendu de femmes, et autres expressions plus ou moins imagées. C'est toujours par le langage que l'on stigmatise ou minimise certains concepts. Il est donc important, vous mesdames, de ne plus avoir honte de parler de vos règles et surtout d'employer les mots justes. Il est donc primordial de pouvoir en parler librement et, pour les mères que vous êtes ou que vous allez devenir, de savoir parler à vos filles. Combien d'entre vous ont-elles été vraiment préparées par leur mère, qui leur ont parfaitement expliqué ce qu'étaient les règles, non pas comme du sang qui allait venir la souiller chaque mois, mais comme une beauté de la nature qui permettait à la femme de permettre à son corps d'accueillir en son sein la magie de pouvoir donner la vie. Contrairement à tous les autres saignements du corps humain qui n'augurent jamais rien de bon, les règles indiquent au contraire que le corps est apte à concevoir et qu'il est en bonne santé. Bien souvent, en cas de famine par exemple, lorsque le corps n'a plus l'énergie nécessaire pour concevoir normalement, il coupe de lui-même le cycle menstruel et les règles disparaissent. Il est donc important de ne pas taire ce passage de l'âge enfantin à l'âge de femme. Il devrait même être célébré comme un rite de passage d'un âge à l'autre, avec reconnaissance et bienveillance. Dans quelques familles, il est d'usage qu'une jeune fille devenant femme à ses premières règles reçoive un cadeau de son choix. C'est une très belle manière de célébrer positivement l'arrivée des règles. Lorsque les règles arrivent, c'est donc le début d'un cycle, puisque arbitrairement, c'est ainsi que l'on a décidé que le cycle commençait le premier jour des règles. Les cycles oscillent entre 25 et 32 jours. Il n'est pas toujours régulier, surtout pendant la puberté et à l'approche de la ménopause. Ce sont des variations hormonales qui déclenchent chacune des actions qui se mettent en place dans le cycle. Il est important de savoir que l'ovulation a lieu un peu avant le 14e jour. Il faut aussi savoir que les spermatozoïdes ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 72 heures lorsqu'ils sont dans l'utérus, c'est-à-dire 3 jours. Pour l'ovaire, il doit être fécondé dans les 24 heures. Cela donne donc une période de fécondité de 4 jours critiques, allant donc du 11e jour environ au 15e jour suivant le premier jour des règles. Attention, cela peut varier d'une femme à l'autre de quelques jours. Voici un graphe qui reprend le cycle et t'indique visuellement comment il fonctionne. C'est aussi un cours que tu as dû recevoir au collège, je ne vais donc pas m'attarder dessus. Il est important de comprendre que du fait des variations brutales du taux d'hormones dans le corps, cela va profondément affecter le comportement sans raison apparente vue de l'extérieur. Je te propose plutôt de te concentrer sur l'influence des hormones sur le corps et sur les humeurs féminines afin de mieux comprendre leur comportement chaque mois. Commençons par le plus plaisant, celui qui va correspondre à la hausse des œstrogènes et de l'hormone lutéostimulante appelée LH qui va non seulement déclencher l'ovulation, mais aussi produire une envie plus importante de sexe chez la femme. Durant cette période d'une semaine environ, le désir et les attentes physiques sont plus forts.
Chez certaines, cela peut se traduire par des envies plus fortes de réconfort, de câlins, de caresses, jusqu'à des envies presque bestiales de sexe débridé. Bien sûr, cela varie fortement d'une femme à l'autre et, chez une même femme, d'une période à une autre. Mais qui a dit que la femme était simple ? Les variations hormonales apportent aussi des effets négatifs. En général, un ou deux jours avant les règles, des sensations douloureuses et un mal-être peut s'installer. C'est dû à l'utérus qui se prépare à faire peau neuve et à la dégringolade du taux d'hormones. Les douleurs vont augmenter pendant souvent les trois premiers jours des règles. La chaleur peut parfois apaiser un peu celle-ci. Non seulement les douleurs sont gênantes, mais elles peuvent rendre la vie compliquée. Travailler avec des maux de ventre n'est jamais facile. Et donc, si tu vis avec une femme, il est de ton devoir d'aider le plus possible ta compagne lors de ces périodes douloureuses. Et quand la douleur peut s'étendre un peu partout dans le corps, c'est un signe d'endométriose. Cette maladie, dont on n'a donné un nom que très récemment, est en fait une dispersion des cellules de l'endomère dans d'autres parties du corps. Ce sont les cellules qui tapissent l'utérus et elles réagissent également aux cycles hormonaux en venant se multiplier après l'ovulation et dégénérer lors des règles. C'est donc très douloureux et handicapant. D'ailleurs, à ce jour, il semble que le corps médical ne sait pas encore vraiment pourquoi ces cellules se trouvent un peu partout dans le corps de certaines femmes, alors que ce n'est pas le cas chez d'autres. Il ne faut pas non plus sous-estimer les pertes de sang liées aux règles. Il est vrai que cela ne met généralement pas la vie en péril, mais c'est une source de carence en fer régulière. Il est donc nécessaire de prendre régulièrement des aliments qui viendront compenser ces pertes, de la viande rouge par exemple. La régénération de ce sang supplémentaire fatigue aussi le corps. Donc, quand on ajoute cette fatigue à celle accumulée par les mauvaises nuits dues aux douleurs, on comprend aisément qu'il n'est pas tous les jours simple d'être né avec un utérus. Pour finir sur le cycle menstruel, je ne pouvais pas le faire sans parler de la contraception par la pilule. En effet, la pilule contraceptive est une contraception chimique qui va se substituer à la chimie naturelle du corps. Les hormones de synthèse contenues dans ces pilules vont faire croire au corps qu'un bébé est en gestation, ce qui va avoir pour effet de mettre en sommeil les ovaires et de la production des hormones dont ils sont responsables. La femme sous pilule n'est donc plus soumise au cycle hormonal naturel, mais à un cycle chimique mixte entre gestation et fin de cycle. Cette fin de cycle, qui déclenche des règles, est totalement décorrélée des règles naturelles. Ce sont des règles créées artificiellement. Et donc, ce ne sont donc pas forcément des règles utiles à l'organisme. Il semble qu'il serait possible de s'en débarrasser en ne prenant pas les dernières pilules d'une plaquette qui sont, quand elles existent, vides de toute substance. C'est uniquement un placebo mis en place pour éviter une interruption du traitement. Il est donc possible de ne pas avoir le phénomène des règles en commençant une nouvelle plaquette au lieu de finir la précédente. En général, ce sont les 7 dernières pilules. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui indiquent que ce n'est pas sans risque. Il n'y a pas non plus d'études qui indiquent qu'un risque existe à procéder ainsi. Je ne peux donc que t'indiquer le fait sans te conseiller quoi que ce soit. Pour finir sur la pilule, je voulais ajouter une chose. Étant donné qu'elle fait croire à l'organisme que ton corps est en gestation, celui-ci va avoir tendance à faire des réserves pour préparer la gestation du bébé. Grossir est donc à ce moment-là un phénomène normal amené par la pilule. Je ne souhaite pas non plus remettre la pilule en cause. C'est une libération de la femme qui lui permet de contrôler sa fécondité. Mais je souhaitais vous informer sur tout cela. J'espère qu'avec toutes ces informations, tu comprendras un peu mieux ce qui t'arrive tous les mois. J'espère aussi que si tu partages la vie d'une femme, ton regard va changer à propos de ses règles et que tu comprendras peut-être un peu mieux pourquoi son attitude varie au fil des jours de mois en mois. Être dans l'inconfort 4 jours par mois pendant 40 ans de ta vie n'est jamais très enviable. Alors fais attention aux femmes qui t'entourent et n'oublie pas que ce sont elles qui t'ont donné la vie. Si tu as des choses à partager dans les commentaires, je t'invite à le faire dès maintenant. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.